rainy day. Dis-moi, Gérard, je me sens fragile et vulnérable dans mon environnement de travail. Tu pourrais pas m'aider, me donner quelques idées? Alors, Christine, déjà, c'est un bon point, c'est une bonne prise de conscience. Prise de conscience que dans l'entreprise, évidemment, on est exposé à ce qu'on appelle des risques. Et donc, tu te sens fragile et vulnérable, c'est-à-dire qu'on pourrait se blesser peut-être en travaillant. Alors, comment te répondre? Tout simplement, nous, on fait de la formation. La formation, elle va essayer de répondre à une sensibilisation. Sensibiliser sur, c'est quoi un risque? Je n'arrive pas à maîtriser mon contexte de travail. Tout simplement, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et si je comprends ce qui peut m'arriver, je peux me dire, comment je peux faire pour que ça n'arrive pas? Donc ça s'appelle tout simplement la prévention. L'entreprise, déjà, travaille sur ce sujet, mais dans mon quotidien de travail, je suis peut-être le plus à même de dire, tiens, ça, c'est dangereux pour moi. Donc, ça s'appelle la prévention. Et puis après, quand la prévention ne suffit pas, on va se protéger. On va essayer d'avoir des équipements de protection individuelle. Mais ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'en fin de compte, quand tu as fini le travail et que tu sors de l'entreprise, quand tu rentres chez toi, y a aussi des risques. Alors on en est moins conscient. Effectivement, ouais, ça me fait penser à plein de situations quand on bricole, quand on jardine. Par exemple, ouais. L'objectif, on le fait tous les jours. Donc on se dit, c'est quelque chose de routinier, donc j'ai oublié que je pouvais me blesser. Et l'objectif, c'est de se dire, ce que je fais là, est-ce que ça peut être dangereux pour moi? Ah, si c'est dangereux, peut-être que je pourrais faire différemment. Et donc du coup, on est vraiment dans la sensibilisation sur la prévention. Mais on ne va pas s'arrêter là. Tu as des enfants, Christine? Oui, j'ai deux garçons. Pourquoi pas aussi initier la prévention chez eux? Alors, tu le fais tous les jours, attention, saute pas, cours pas. On est bien d'accord, mais ça va peut-être au-delà de ça. C'est peut-être se dire, comment aussi je pourrais les sensibiliser, prévention et protection? Comment je pourrais les amener là? Ouais, tu me donnes une idée. Ah. Je voulais offrir à mon aîné, justement, qui a 6 ans, je voulais lui offrir, pour faire comme papa, tu sais, la perceuse, la scie sauteuse. Et en fait, du coup, avec ce que tu me dis, ça me fait prendre conscience que je pourrais peut-être regarder s'ils n'ont pas aussi des gants de protection, des lunettes de sécurité, pourquoi pas même le casque. Parce que je me dis, quelque part, du coup, avec ce que tu viens de me dire, ça permettrait de sensibiliser naturellement, facilement dans son quotidien. Tu intègres totalement, en fin de compte, dès son plus jeune âge, évidemment, cette notion de protection et prévention et que ça va pouvoir lui servir. Mais il faudra penser à toi aussi, en parallèle. Si tu bricoles avec lui, il faudra faire la même chose. Puisqu'on pense aux autres, mais rarement à soi. Et du coup, c'est un ensemble. Et ton garçon, plus tard, il travaillera. Et quand il rentrera dans une entreprise, lui, il aura déjà acquis cette notion de prévention et de protection. Et ce sera beaucoup plus facile pour lui d'intégrer la démarche de prévention de l'entreprise qui lui imposera peut-être à ce moment-là ou qui lui proposera à ce moment-là de se protéger avec des EPI qui ne sont pas toujours agréables. En fin de compte, répondre à tes vulnérabilités, c'est tout simplement te dire qu'est-ce qui pourrait m'arriver, comment moi je peux être acteur de ma propre sécurité. Parce que tu es acteur de ta propre sécurité. Et tu peux l'être pour toi, tu peux être un exemple pour tes enfants et du coup, on est dans un cercle vertueux. Et ça va répondre à l'entreprise, à toi. Excellent. Écoute, merci, ça m'a donné plein d'idées. De rien. Et c'est vraiment très concret. Merci. Parfait.